Vous êtes de retour. Continue d'explorer et puis voilà. Elden Ring, c'est trop bien parce qu'on joue au meilleur jeu. On vit notre meilleure vie. Mais, je ne sais toujours pas comment avoir les invocations et j'ai l'impression de avoir raté un truc. En fait, c'est pas l'impression. On m'a dit clairement, t'as raté un truc, meuf. Je veux qu'on te dise. J'ai dit, oh, je verrai tout ça. Je veux savoir du coup, bah ouais, je veux savoir Ryo parce que je sais pas si j'arriverai à savoir ce que j'ai loupé. Il y avait écrit un truc sur une FG comme quoi j'avais débloqué une invocation ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai pas vu... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne en fait. J'ai pas tout pigé. Alors, comment j'ai les invocations? How? Faut que j'aille au point bleu. Je vais aller au point bleu. Ah, y'a trop de monde là. Dans l'église où tu as au début, où il y avait le gros cavalier doré. Oui. Je me rappelle bien. Oh, ça m'intéresse ça. J'ai du centre de guerre. Non, encore un, j'entends. Il y a un bon inquiétant ici. Pause de nuit sur le site de grâce après avoir battu Margui. Bref, je sais pas comment il s'appelle. Obtenu torrent, une sorcière apparaît. Oui, c'est la petite nana. Je la connais bien, elle. Des fois, elle peut me parler. Oh. Oh. Attendez. Bon, on va tout de suite. Je vais aller à mon point bleu pour savoir si je découvre une partie de la map. Oh. C'est le gros sourcil réveillé de nuit. Mais c'est trop cohérent. Putain, comment j'adore ce jeu. Quoi ça? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ma carte. Voilà, c'est pour ça que je voulais aller au point bleu. Pour avoir la carte. La carte maintenant. Une sorcière bleue. Ah. Ouais, t'amènes... Ah, d'accord. Ok, bah je vais y aller alors. Avant, je vais voir ce que c'est ici, même si j'ai un peu peur. Le chauffra. Oh, ça sent... Ça sent mauvais, ça, non? C'est trop tard, j'y suis. Je suis toujours avec l'encens! Toujours avec l'encens! J'avais su, j'aurais fait du maquillage partout, hein! Bon. Elle doit te donner une cloche d'invocation, après ça tu pourras invoquer. Mais comment? Alors c'est un truc que t'es censé savoir, qu'on te dit pose-toi de nuit, fais un truc de nuit? Ou alors c'est juste bah, si tu dors la nuit à cet endroit-là, tu le sais. Parce que bon, moi, Samuel Sam par exemple, m'a dit que j'avais loupé un truc dans le lore. C'est beau hein? C'est vraiment putain de charmant. Oh, non mais c'est immense, non mais d'accord, non mais je peux pas. C'est pas immense? Non si, ça a l'air immense. C'est un giga immense. Mais c'est trop beau, regardez, il y a des étoiles, mais sous la terre. Ou alors c'est pas sous la terre. Chauffra. Je suis où? Sous les limbes de la terre.
roquet d'invocation est à présent opérationnel. Tu vois, ce roquet d'invocation est à présent opérationnel, je vois ça des fois. Et du coup, je savais pas qu'il fallait que j'interagisse avec ça. Champi fondu. Un petit champi fondu. Ça doit être vraiment giga dégueu. Une dorée. Bon, je suis pas très champi, hein. On va looter les petits champis. Ah, c'est des... Et on dirait des plumes. Il y a trop des plumes. C'est super beau. Mais c'est magnifique en fait, je suis trop fan. Je suis trop fan des différentes structures du jeu, de son look. Fan du jeu en fait. Les petits trucs que tu actives, c'est pour la coop. Ah, c'est que pour la coop, c'est pas pour invoquer des... D'accord. Ok, thank you, thank you. Feeling parfois. J'ai pas le level. Ok, je pense que j'ai pas le level. Ça c'est le max que je puisse faire niveau dégâts en fait. Ah mais c'est encore eux. Méchant toi, méchant toi. Mon caillou. J'ai pas le level hein, parce que bon bah voilà. Je lui ça c'est le premier mob que je croise et je lui mets déjà que dalle. Est-ce que je peux rentrer comme je veux ou pas? Parce que si c'est pas le cas, c'est si. J'ai l'impression en vrai. On va tenter mais j'ai l'impression que ça craint un peu. Déjà je vais faire ça. Bestiole ! Améliorer. Non. Je peux... Ajouter une dose de fiole. Voilà. Ah non, j'ai pas assez de graines, il m'en faut deux. Ouais, ça sent mauvais, ouais. Bon, ça va. J'ai eu peur. Je peux remonter comme je veux. Ah, je suis propre. C'est vraiment un look affreux. Ok, ok. Alors ma tête. Elle avait l'air stylée quand je l'ai faite. Elle est plus basique que ce que je pensais. Ok. Bon merci. Encore une chose à explorer. Ça a commencé à faire beaucoup. Je tente l'ours au pire. Quand il est bien réveillé. Vraiment doré. Il y a des caca en or. Je me ranger. Oh la portée du type. Oh la portée. Et des sauts d'environ 800 mètres. J'ai dû rouler pendant 5 minutes pour pouvoir sortir de son arène. J'ai pas encore réussi. Oh non, je me retape tout ça. Merde. Ah, j'avais pas pensé à ça. Un trou ça hein. Un trou ça. Ouais, c'est un trou. On m'en attend un peu.
pire, c'est qu'il va falloir se retaper cet ascenseur. Mais oui, je savais pas. Je pensais qu'il y avait une effigie pas loin. Désolé. J'avais pas pensé. Désolé. C'est fascinant. C'est super bien. Ah, un bon moment. Du moment de pause, là. Il faut aussi. On trime tant dans ce monde de fous. Une petite pause. Peut-être la bienvenue. Et ce que j'aime aussi, c'est que là, ils font pas d'erreur d'implantation de... d'herbe et tout. L'herbe, elle sort aux bons endroits. T'as pas de l'herbe qui dépasse, la chelou. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Dans plein de jeux, c'est pas le cas. Et voilà. Dans les jeux à Planet Zoo, on remarque. On va mettre une petite musique. Bah alors, une petite musique non copyrightée, c'est surtout ça le problème. On peut peut-être trouver, hein. Ici. Free to use elevator music. Je suis pas sûre qu'elle soit free to use celle-là. En vrai. Dernier étage. Ok, j'ai caché un sort. Bon, le petit ours là. On va essayer de trouver autre chose avant. Hein. Non, parce que ça va pas le faire par contre. Je veux bien le retenter, même si pareil, ça commence à être compliqué. En fait, le problème c'est que là, tout ce que je crois, ça commence à être trop dur. What is that? De cristal vert fendu? Mais waouh! Je trouve des trucs, mais je sais pas à quoi ça me sert, c'est terrible! Il te retourne à l'ascenseur, ouais, c'est pour ça. On va trouver autre chose. Le vache! Vas-y! Je suis où, moi? Explorons un petit peu. Et puis j'irai voir la sorcière. Aussi. J'ai déjà passé par là enfin. De l'autre côté qu'il faut que j'aille moi. Qu'est-ce que je fous par là? Iloupio, est-ce que j'ai déjà exploré ces ruines? Je crois que peut-être. Ah ouais. Je déconne. Non, vraiment, c'est une blague. Oh, il a l'air tellement powerful. Ok, on y va pas tout de suite. C'est pas le même ours, du coup. Tout pété. Je vais faire quoi? Ah, je peux pas regarder ma carte. J'avais oublié ça. Franchement, j'avais oublié. Oh, mais il y a trop d'ours. Ah, les petits, c'est gérable. Un par un.
Mais les gros? Never ever, hein. C'est trop beau! Comment je kiffe! Tout parti, je vois que t'as les infos pour les invoques, mais aucun besoin de battre qui que ce soit. Et surtout pas Margie. Mais je l'ai déjà battu, hein! En fait. Je vais voir dans les 15 premières minutes que la cloche invoque. Pour ça, je pigeais pas que tu l'aies pas eu. C'est que la nuit. J'ai dû bien tomber la première fois. Ok. Ouais, d'accord, mais tu m'as dit t'as dû louper un truc. Mais j'ai rien loupé, c'est juste que j'ai jamais été sur un feu de camp la nuit, en fait. Enfin, si, je l'étais la nuit, mais c'est la fois où la nana m'a parlé, m'a raconté sa vie. Et du coup, bah voilà. En tout cas, photo rente. Ouais, voilà. Mais c'est la seule fois où je crois que j'ai dû faire mon truc de nuit, là. Me poser dans le truc de nuit. Et surtout pas bah, là où il y a le chevalier, en plus. Donc en vrai, c'est pas que j'ai raté quelque chose, si je pouvais pas deviner. Je pouvais trop pas deviner. Oh, j'entends le premier faute quoi, il faisait nuit. Ouais, mais tu m'as dit t'as dû rater un truc. Bravo, hein. Le coup de me faire croire que c'est de ma faute. J'ai rien raté. Voilà, tu sais maintenant. C'est juste que je suis pas tombée dessus. Moi j'ai dormi là-bas, c'était pas la nuit. Voilà. Et encore, j'ai l'impression que c'était la nuit, mais bon. Apparemment pas. Sinon je l'aurais vu. Alors. Oh, il y a une belle bâtisse là. On fait la bâtisse. Et après on y va. Arrêtez de parler à sortir. Bah en fait je pouvais pas deviner. Qu'il fallait que je dorme de nuit. J'avais tout bien fait ce que je me disais moi. C'est pas que j'ai raté, c'est que j'ai pas eu la chance de tomber, de dormir à la nuit, parce que bah je pense, je sais pas, je savais pas que c'était un truc si important de dormir à la nuit. Comme dans la voisine, c'est un truc que je fais occasionnellement, mais c'est pas... Apparemment, on survit très bien sans. Oh oui, un petit feu! Oh waouh, oh c'est si classe. Marika! Et là je vais avoir une autre truc. J'ai trouvé des larmes de cristal au pied des arbres monde mineur et dans l'entre-terre. Vous avez la possibilité de mélanger deux larmes de cristal dans la fiole. Le salut miraculeux. Je l'ai ça? Auprès d'un site de grâce. Cela vous permettra de créer des élixirs aux effets divers. Oh ouais, je veux créer des élixirs aux effets divers. C'est une fiole, ok. Bon, on va s'y poser, mais avant je fais ça. L'arme de vie. Oh, oui, je vais pouvoir améliorer mes popos. Reposons-nous sur le site de grâce. Trop bien. Alors là, je suis trop refaite. Ensuite. Mettre en vigueur. Non, c'est en endurance que je vais mettre. Voilà. Ensuite. Non, je salue miraculeux. A l'aide de ce menu, vous avez la possibilité de mélanger deux larmes de cristal dans la fiole de salut miraculeux. Cela vous permet de réaliser des effets divers et variés. J'ai cru comprendre tout à fait. Dans la fiole, renforce les attaques chargées pour une durée limitée. Ça m'intéresse pas. L'enduit et les PV, c'est bien ça. Quand je mets ça, c'est un test, hein. Voilà. Ensuite, comment je fais?
Bon, il est mélangé mon truc? Ça a crafté un truc là? Genre là j'ai une popo? Ouais, j'ai déjà parlé à Mélina. Cette nuit, mais ça faut le savoir. Exactement. Alors il peut y être à la nuit. Ouais, voilà. Donc en gros, encore une fois, c'est pas ma faute. J'ai rien raté. Ok. Et du coup, je pourrais la changer quand je voudrais. D'accord. Merci, merci. Merci. Il va vraiment falloir que je me trouve des meilleurs équipements, moi. Pas du tout. Équipement. Après, je peux prendre un truc... Ouais, non. Je garde mes trucs comme ça, mais bon. Ça, faut que je le vire. Hein. Ça, faut que je le vende. Qualité, focalisation... C'est qu'il m'améliore rien en magie. Charge lourde, ouais, je peux pas apprendre. Je peux pas apprendre, je peux pas. Ah ouais, elle est là. Ok, et j'ai une charge. Mais si je fais. Si je fais. Fiole. Une dose de fiole. Non. À partir de dose de fiole. Ah oui, c'est juste ça. Ok, tant pis. Ok. Incroyable. Très joli. J'aime bien cet endroit, il me plaît beaucoup. Oh, il y a un gros... balai. Non, je le fais. Je le fais, après on va faire le truc des invocations. Ça sert à rien d'être caché dans les fougères en vrai. C'est-à-dire c'est une distance mais c'est pas selon si je suis caché ou pas qui fait comme repère. J'ai l'impression. Je vais le toucher dans le dos. Genre de, je suis sûr que c'est le genre de truc à farmer ça, quand tu veux des runes. Après je peux retourner faire dodo. GG, merci! Ça, en vrai maintenant, bah celui-là je le connais quand même. Du coup là, il va réapparaître. Franchement, c'est un farm super bien, ça, non? En vrai, je pense que je vais faire qu'une seule autre fois. Après, on va passer à autre chose, parce que je trouve pas que c'est le plus intéressant du monde à montrer. Mais, maintenant, je sais.
j'ai pris de la vie. Ah. Il a lâché un truc en plus, il lâche quoi? Rune dorée. Ok, mais ça aussi j'en ai plein sur moi, va falloir que je les utilise. Je vais juste faire dodo pour reprendre mes popos que j'ai bêtement utilisés, enfin surtout ma popo de vie. Et puis on va se TP là où vous m'avez dit, pour enfin avoir ces fucking invocations. Mais je mettrais peut-être un point ici pour... Même si le farm, bon c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ça s'explose. Mais bon, au cas où, je mettrais bien un petit repère genre... un panneau, un site de farm en gros. Ouais, on va dire ça. Ensuite, je vais... Alors par contre, je sais plus où ça c'était. Ah oui, il y a le chevalier, c'était dans la forêt. Au-dessus du ciel, c'est là que c'est la meilleure. Oh ça, on le savait. Merci! Ah, c'est l'église! L'église, merci beaucoup! Ouais bah ouais, j'ai cherché partout. Merci hein. Tu pouvais pas te déplacer ailleurs, je parie que tu te tépais. Connasse. A pleasure to meet thee, Tarnished. Quel plaisir de vous rencontrer. Sans éclat. I'd heard tell of a Tarnished. Vivant d'une sans éclat sillonnant le pays, chevauchant un destin spectral. Et après m'être renseigné sur la question, je présume que vous êtes l'objet de ces rumeurs. Vous possédez le pouvoir, n'est-ce pas? Je lui devoir la matrice, n'est-ce pas? Que j'espérais. Voyez-vous, j'ai une chose à vous remettre de la part de l'ancien maître de Torrent. Parent. David Goudenhoff. Et je l'ai fait avec vous. Relâchement d'esprit. Tendre de loup. Oh oui, des loups, mais j'avais vu. Une cloche permettant de faire appel à des trucs de ceux qui ont préféré être incinérés plutôt que de rallier l'arbre monde à des êtres. Ils vous obéiront, mais pour un temps seulement, tandis qu'ils remémoreront les batailles d'antan. Ceci vous appartient désormais, êtes-en bon usage. Merci, c'est vachement cool, meuf. C'est vachement sympa ce que tu fais. Merci, merci. T'es dodo ? Tu dors bizarre, hein ? Ah, elle a continué à parler. On n'avait pas fini, c'est ça, je suis partie trop tôt. Désolé. Voilà, c'est bon, là je peux y aller. On va se reposer jusqu'au matin pour voir ce qu'il a à nous vendre. Et où déjà? Faire passer le temps, c'est tout en haut là, que ça. Manque de respect sur 20. Non mais je savais pas. Genre elle m'a dit c'est bon, ça vous appartient, faites un bon usage, bisous. Moi je me suis dit bon c'est la fin de la conf quoi. Non. Insupportable. Ne dis pas. Bon voilà. Acheter quelque chose? Need something? Dans le monde de bois vauneux. Quoi ça? Dans le monde de loup, dans les bois vauneux. On conclut qu'il rentre encore dans les parages. C'est... Ne pas aller vous-même à sa rencontre. Oh ouais! Prochaine fois que vous entendrez un loup hurler, faites ce signal à la source du cri. Quoi? Vous en faites pas, vous n'avez rien à craindre. J'ai le sentiment que vous entendrez à merveille tous les deux. Ouais c'est ça, il va me manger. Claquement de doigts. Faites ce signal à la source du cri, ça veut pas dire grand chose faire un signal à la source du cri. J'ai vu un merci pour la cloche et la voyure. J'ai dit même merci meuf. Alors ça va. J'ai fait ma part. J'ai fait. Hein. I did it. Bon j'ai plein de trucs là. Ça je vais vendre. Non je vais garder. Ça je vais vendre. Il a l'air tout nul celui-là.
le vent aussi. Voilà. Oh, j'ai un super chapeau. Oh, j'avais pas vu. Bon, le casque, je le virerai, il va me rendre lourde. Et je veux pas entendre un du style comme si c'était pas déjà le cas, hein. Attention, j'ai ma sensibilité propre en tant qu'être humain, même si je suis juste stream. Ah, la tenue d'aristocrate qui coûte que dalle, ça me dégoûte. Ça aussi, je vais vendre, c'est trop... je vais pas vendre. Non, j'ai peur. Ah, je vais vendre quoi d'autre, moi? J'ai oublié. Je pense que c'est bon, il est ok. Je vais voir ce qu'il a à vendre, lui. Oh, moi j'ai acheté ça. Missionnaire. Pas de maille. Je vais rien acheter. Du coup, faudrait que je me fasse guider par un loup. C'est bien énigmatique. J'hésite. Je peux toujours continuer à explorer un peu ce coin-là. Et bouger à pied pour voir si je trouve d'autres trucs, notamment par là-bas. Ou alors aller retourner dans ma forêt pour continuer l'exploration. Et pour farmer le gros mob. On va voir dans le coin. Je vais mettre un petit point, genre ici. Voilà. Comme ça, je vais explorer en même temps. Et puis voilà quoi. J'attends encore un peu, mais quand j'aurai un équipement un tout petit peu mieux, et ben. Ou améliorer un peu plus mes stages, je retournerai dans le gros château. Parce que je pense quand même que c'est pas un truc qu'on fait dans le late game. Ou alors peut-être petit à petit. Je ne sais pas. En tout cas, moi je suis curieuse de... Bon, voilà, on a déjà fait une partie hein, du château. Je sais pas combien on a fait de trucs. Je suis allée... Enfin, j'ai fait le truc, j'ai fait ma... tout ma machin et je suis allée jusque là. Là ça commence à être chaud. Il a l'air encore assez grand quand même. Donc bon, on va attendre encore un peu. J'ose pas trop le retenter maintenant. Peut-être quand... Je vais mettre un point même plutôt par... Ouais. Bonjour Flamme Lurker. Au début je voulais dire Flamme Cucheur. J'aime bien le Flamme Cuche. Salut à toi. Alors, bon, on a enfin les invoques, hein. Je crois que je suis à 12 heures de jeu. Il était vraiment très temps que je... Oh là là! Oh là 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 là! C'est quoi? Est-ce que c'est un méchant qui fait ça ou c'est juste le temps? Oh, mais c'est trop ce que les gens devaient se demander, en fait, dans le Moyen-Âge. Oh, faut que je suive le cri du loup, il m'a dit, le gars. J'y vais. Ah mais c'est des loups classiques ça. On est sur du classico là. Non mais ils vont être chiants, ils vont me demander de la magie, tout ça. Non? Ils sont pas méchants? En vrai ils sont peut-être pas méchants. D'accord, ça va, j'ai tenté des trucs. D'accord. Je fais jamais, hein, comme ça. Voilà, je fais jamais. C'est à chier. D'accord. Je sais pourquoi je fais jamais comme ça.
ils se regardaient dans les yeux là, c'était stylé, il a tout niqué. Voilà, maintenant c'est tout bidon. Non, 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 non. Ah, mais je vois la vie enfin de mon cheval. Attends. Ah, j'ai... J'ai pas voulu. C'est un combat épique, hein. Ah, c'était comme ça pour enlever ma monture. En vrai, je cherchais, je vous jure. Du coup, ça m'a pas donné un bonus de groupe de mobs. Alors, peut-être que ça me l'a donné avant que je tue le blanc, mais vu que j'avais pas utilisé de popo, bah ça m'a servi à rien. Est-ce que c'est ça? Bon, bah d'accord. Du coup, ça m'a servi à tuer juste plein de loups, en fait, de suivre le signal. Je m'a juste demandé de faire un génocide, quoi. Un génocide, Kratos. Ok. Je loot mille trucs, hein. Je sais toujours pas ce qui va me servir, mais je loot. Je loot un max. Bon, on continue à explorer. Oh, mais par contre, c'est free, ça commence à être fatigant. Ta statue là. Y aurait-il quelque chose à y faire? Ah, j'avais déjà examiné. Qui retourne aux racines. Oh. Mais je vais décéder. Vu que ce truc là qui bouge. Un crabe? Un caillou? Il y en a plein. Je vais changer d'arme. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris, j'ai compris. Il y en a combien? Il y en a combien? Attends. Arrête. Ça retourne aux racines? Oh! Attends, mais ça dure rien fait, c'est normal? Mais ils sont trop puissants pour moi. Et où que ça fait mal? J'ai paniqué. Non, pas ça. J'ai pris la mauvaise, mais j'ai pas l'habitude d'avoir trois popos, j'en ai toujours eu deux. Retourner aux racines. Je suis encore trop dissipée. Oh. Je les connais ces catacombes. En tout cas ce spawn me dit quelque chose. Ah non, bah non, je connais pas. Ça va, je connais pas. Ok. On va faire un petit dodo. Un petit repos. Bon, je connais pas. En vrai... Vu toi. Oh, vu toi. Je pensais trop avoir réussi à avoir le... À faire des trucs. Ouh. On n'est pas au courant, tant pis. Arrête.
ça peut tomber d'où? Est-ce que ça va sortir de la fleur? Arrête. Attention, je vous surveille. Bon, c'est bon. Et il y en a là-bas. À la plaque, c'est trop un piège, ça. Aïe. Je sens pas ça, je contourne ça. Saignement, c'est bon en fait, je ne suis plus qu'une bouillie. Je le vois pas aussi là. Là, faut que je teste là. N1. NQ. NP. Ok, he's ok. J'y gérerai. Saloperie ces mobs. Ah franchement, ouais. C'est choquant. J'ose pas, j'ai ben, je vois une... Non, j'ai pris la main fesse. Ça va ouvrir une porte quelque part, c'est ça? Tour de porte est ouverte quelque part. Je connais trop. Je connais trop de game. Je savais que c'était un piège. Ah, je savais! Non! Je savais que c'était un piège! Je vous l'avais pas dit! Je vous l'avais trop dit! J'avais tout prévu in my mind. Pas grave. J'ai eu le temps de backped un petit peu. Putain, attends, j'ai l'air modulo. Je vois trop. En vrai, je vois trop. Voilà, là, il n'y en a pas dans ce coin-là. On va de l'autre côté. Sorti par la bite, celui-là. Merci, Flame Lurker. Pour ton gentil follow, merci beaucoup. Je suis très lurqueuse aussi, hein. Quoi? Ah! J'esquive!
Ah putain, j'ai esquivé vers lui. Trop méchant. J'ai esquivé, j'ai anticipé, j'ai su qu'il y avait un bruit, j'ai fait du mauvais côté, mais franchement j'étais au taquet, j'étais présente. Tiens. Voilà, un petit teabag aussi, ça fait entendre. Oh. Chiant avec ces mobs, parce que comme des sortes de gros draps, de grosses couvertures, tout pousse tout. Je vais, voilà, sur lui. Bon, avec la perspective, on dit c'est ok. Franchement, c'est ok. Bon, ça a ouvert cette grosse porte. Qu'est-ce que c'était? J'ai eu de la parade. Oh, il y a un truc. Alors, j'ai des invocations. Comment on fait? Elden Ring, c'est difficile pour toi parce que tu veux y jouer. Rêve intéressant, je sais pas. Là, j'ai un qui me vient. J'en ai eu, mais pas très intéressant. Oui, j'ai rêvé qu'avec Dilo, on participait à la Z-LAN. Rigolo. Voilà. Mettre dans les objets. Ok. Où je les trouve. Oh, elles sont là! Ok, c'est Y bas. Ah là je peux pas, mais je pourrais pendant le boss. Ça devait être trop bien, franchement ça avait l'air trop marrant. On avait l'air de trop s'amuser. Allez faites des trucs, les loulous. Attendez, moi je m'équipe, tranquille, hop. Je me trompe de popo. Plus magie. Attends, plus magie. Pourquoi tu m'atteins trop pas? Dis-le, écoute, c'est ton choix. Les rêves ne sont pas des choix. Voilà. Mais en fait, il y avait tout un contexte et tout ça. Donc tu n'as pas écouté apparemment parce que tu as juste eu envie de nous imaginer toutes les deux. C'est ton choix, là, pour le coup. Je vais me coucher, moi, bonne soirée. Salut Flame Lurker, merci beaucoup d'être passé, d'avoir follow, c'est très gentil. Bonne soirée à toi. Gigi, merci. Senti faire la mouette. Senti accélérer faire la mouette. Oui, bah, des fois en panique. Et puis après, ça va mieux. Des fois, je vérifie s'il n'y a pas un loot, un truc qui pop. Mais non, c'est pas. C'est pas dans Zelda, quoi. C'est pas dans Zelda. Hop! C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci. Officiel, j'avoue je suis trop forte. Bon bah voilà, ça s'est fait. Je pense que c'est trop bien passé hein. Du sympa, on a passé de bons moments. Par contre j'irais bien... Ah j'entends encore le loup. J'irais bien avant faire ça. Poser la tranquillou. Et après sortir et explorer un petit peu les entrailles de la terre. Voilà. Attends, je peux peut-être monter de level. Attendez, j'ai un dit.
Merci, merci beaucoup, vous êtes doux. On arrive à la fin de la phrase, na. Enfin bon, dire que j'ai rêvé d'eux et c'est un choix, ça n'a pas de sens, enfin. Il y a des rêves lucides, ok, mais c'est quand même une minorité des gens qui font ça. Et moi, j'en ai déjà parlé pas de toi, mes rêves. Quand je fais un rêve et je me rends compte que je rêve, les PNJ de mon rêve, ils me disent non, tu rêves pas, c'est la vraie vie. Voilà. On a déjà parlé tant de fois. On est niveau. Moi, j'ai 6000. Enfin, peut-être que j'en garde, mais j'ai plein de. En vrai, j'ai plein de runes et moi, je m'en servirai des runes pour acheter. Au moins là. Du coup, je vais faire. Je vais faire un tel. C'est quoi l'autre? C'est pas dextérité, c'était. C'est quoi l'autre? J'ai oublié. Esprit! Ah, je peux pas faire esprit. Au pire, je prends un petit truc de rune. Pour pouvoir level up deux fois. Oui. Attendez, j'ai des améliorations aussi à mettre sur mes armes. Ah ouais. Ouais, mais c'était... La seule fois où je l'ai faite, c'était franchement naze. Hein. Du coup, je ferai plus jamais. Non, mais on va voir. Avant, je fais mon petit level up. Je sais juste pas où se trouvent mes runes. Hein. Ouais, elles sont là. Rune dorée 3, 2, 1. Ah, ça, c'est les unes. On va prendre une. On va en utiliser... On va en utiliser genre 3. 600. Ça, avec ça, je peux level up. Ah, j'ai cassé un truc. Pas grave, c'est comme dans la vraie vie. Là, je peux monter de niveau. Et là, je vais mettre en... Du coup, j'ai mis en intel, donc je vais mettre en esprit. Voilà. C'est parfait, non? Mais si, j'ai besoin de mon super modo. De la région parisienne. Et moi aussi. Tu sais quoi, moi aussi, petit gris. Arrêtez, eux, ils... j'aime pas eux. J'aime pas, c'est un merdier ça. Oh, il y a des métus. Oh, il y a un type là. Trop de trucs. Quoi? Mais arrête! Ah, c'est comme des Scalarex, ça arrive pas plus longtemps. Attends, mais c'est chiant. J'apprends. J'arrive pas. Arrête, c'est bon, c'est chiant, c'est pas marrant. Moi, je pense qu'elles sont sympas, les méduses. Ah non. Je savais qu'elles étaient sympas. Je l'avais pas dit, elles sont sympas. Laissez tranquille. Par contre, c'est pas sympa.
Mais pas de renard ni de belette en vue. C'est bien étrange. Bon. Petit canyon là. Bébé, hein? Ça des pop? Arrête, arrête le jeu, arrête, arrête, c'est chiant. Doigt sanglant. Oh non, qu'est-ce que tu fous là? Arrête, dégage! Non, il y a un doigt, il y a un doigt qui est là, il va me tuer le doigt. Arrête. Vraiment pas drôle. Qui est là? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça me saoule. Je vais t'aider. Mais c'est du PVP là, non? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai vaincu un doigt quoi. Maintenant j'ai un Redouvia. Yura, chasseur de doigts sanglants, retourne dans son monde. Bah super. Au revoir chasseur de doigts. C'est quoi ces histoires de doigts quand même. Bon merci de m'avoir niqué toute ma mana. Ah c'est bon, j'ai récupéré de la popo. Bon. Bon bon bon. Et ça arrive souvent ça? Ça me perturbe encore, je comprends pas. YOLO! Ah, je me suis trompé d'arme, je crois que j'avais l'épée. Je vais faire un petit coup d'épée là, YOLO. YOLO. Tadididi. Un petit retour, hop. Arrête. Insupportable! J'entends ces invasions de PNJ. Mais pourquoi on m'envahit là? J'ai trop des problèmes. Est-ce que j'envahis des gens? Non. Oh! Je suis tellement. Oh! Mince, il m'a peut-être proposé d'apparaître à une effigie, non? Non, pas du tout. Est-ce que je vais avoir de nouveau un mec qui va pop? Envie. Et puis il y a Méduse, il y a lui. Les poteaux. Ah. Tu chasses des doigts. Vous venez de vous jeter dans la mêlée sans éclat.
Eh bien, vous avez combattu Nereus et avez survécu. Rien que pour cela, vous méritez une décoration. Un joli chapeau ? Le nom Miola. Poursuit les doigts sans manche. Les sans-éclat esclaves de leur sang fétide. Les fanatiques traquent leurs semblables. Vous empruntez cette voie, il vous faudra vous préparer en avant. N'oubliez pas, ils n'ont aucune sympathie pour leurs congénères. Leur démence a pris le temps. Non, c'est Twitter. Laissez pas des trucs arriver. Alors, bon, let's go. Oh, c'était là-bas, ça va être chiant. Faut que je les tue d'abord, mais bon, c'est risqué. Hein. C'est risqué. Sinon, je fais ça dans un premier temps. Voilà. Puis j'y retourne dans un second temps par vengeance. Arrête! Oh, le moustique horrible! Arrête le moustique! Fais un effort pour viser Locke, c'est fatigant! C'est vrai, j'ai oublié. Bon allez, on arrête les conneries. Oh, un moustique dans ma gueule. Et où lui? Et où Stigmou? Non, pas toi. Stigmou. Trop rapide pour mon bâton. Putain. Ok. Ah ouais, rend fou, mais c'est terrible. D'accord. Les vrais moustiques, effectivement, trop réaliste. Non, non! Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire X pour taper, encore une réminiscence du passé. J'avais vu, petit. Ok. Je vais te donner une beps et taper. Non mais... Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ma mana. Bon, en vrai c'est très risqué parce que bah je perds autant de vie que de mana donc. Je suis où là? Ok. On connaît un peu cette zone. Un petit peu. Un gros crabe.
Ouais, ça j'avais déjà visité du coup, c'est ce qu'on avait visité au début de live. Ok. Je vais peut-être un petit peu bouger. Ouais, non mais horrible ce mob, hein. Les moustiques, c'est vrai que c'est... ça retranscrit très bien ce qu'on peut ressentir pour un vrai moustique, quoi. Même la magie, il te l'esquive tranquille. Un sup. Comme ça, comme ces prises là. Vous voyez que je le bats. Je me suis trompé. Pas grave, pas grave. Attention les moutons, faut rouler. Merde. Je vais tuer le cheval. Il va m'attaquer? Non, il va pas m'attaquer. Oh, il est trop mimi. Vas-y, pépère. Oui, tu peux perdre. Tout ? Quoi ? Je loot même pas, quoi ! J'ai déjà allé ici, ouais. Ah bah c'est bon, on commence à connaître un petit peu cette zone. J'ai pas vraiment tout exploré, hein, je vais pas prétendre. Mais on commence à connaître un petit peu, on avait sauté tout ça ici, je me rappelle. Bon. Une bataille en bas. Oh, c'est trop stylé, on va aller voir. Il y a un feu de camp aussi ici. Hey copain, vous amusez pas sans moi. Ah d'accord, c'est les chevaliers contre les mobs des ténèbres. Franchement je suis pour les ténèbres moi. Vas-y défonce-le. Ah ils s'entretuent on dirait les chevaliers, non? Ah non. Ils se font marave les autres là. Et je prends les gagnants. Commence à en marave 1. Ceux du camp adverse vont m'aider. Non mais je peux viser que eux. Je peux viser les chevaliers. Ah si c'est bon. Franchement je les aime moins. Bon je regarde pas où je tire hein. Je vous aidais un peu. J'ai aidé. Il m'attaque en vrai ou pas? Ouais, il a l'air. Ça m'a donné de la mana et de la vie. Bah ça me fait penser que je connais pas tant ici, là, tout au bord. Mais est-ce que je peux avancer à la suite? Voilà, là, c'est des sortes d'îles flottantes. Mais comment atteindre l'autre côté?
Je croyais pas qu'il y avait du vide en fait. J'y suis allée comme ça. YOLO. Bon bah voilà. On n'est pas dans la merde. Hein. Non mais on va descendre. Commencez pas. Non, il est pas si fort en fait. Un peu super. J'ai un peu peur, mais j'ai pas si peur. Ah, j'ai un petit peu peur. On peur quand même. On a plein en fait, ils sont très nombreux. Vas-y. Ok. Ça va, ça se gère. Bon. Et on va explorer, hein. Apparemment, on va explorer ici. J'ai pas prévu, moi, ça me va bien. Œuf de crabe. Quoi ? Non, mais c'est chiant. Voiture. Et voilà, je descends ici, mais ça me sert à rien après, parce que je peux pas redescendre davantage. Sans mourir probablement, en tout cas, ça semble compromis. Peut-être par là. Moi, je sais pas. Comment explorer par là? Bien. Ah mais non, on est complètement cassé. Ok. Ok, ok. Ça m'avance pas beaucoup. Pierre arc-en-ciel, j'avais pas eu ça, je crois. Ah si, mais si, j'en ai plein. Je sais pas quoi ça sert. Mais l'important, c'est que j'en ai. Peut-être qu'il faut que je descende par là. Les piafs indiquent un truc. Non, pas maintenant. Pas le moment de tester. Je testerai. Hein. Ah, mon gratuit, il est deux joues. Je peux descendre, mais après je pourrais pas remonter sur les îles. Et ça pue ça. Je peux passer, faut que j'aille de l'autre côté. Y a pas de truc qui m'envole là. Ou alors je tente un saut de fifou. Mais en vrai, ça sent vraiment la loose. Alors j'ose pas beaucoup. Non, jamais je passe. Je veux bien être imprudente, mais au bout d'un moment. Je sais à quel point ce sera chiant de récupérer mes cendres. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez fait peur. Les hommes cailloux en fait. Je vais continuer vers la gauche. Hein.
continuer de longer tout ce que je peux longer. Par contre, eux, ils commencent à être chiants, donc je vais pas les faire à chaque fois. Bon, tant pis. Ah! Non, mais j'ai un lag! Mais je comprends pas ce qui se passe! Non mais, enfin, please quoi, le jeu, s'il te plaît, aide-moi un petit peu, en fait, sinon je sais pas. Hein. C'est la péninsule larmoyante. Super. Hein. On voit celle d'où je viens, je crois. Bon. Le bout de pont là. Ça me dit quelque chose à vous quand même, hein? Oh, je galère. Et moi je fais une échographie du pancréas de bon matin. Oh sympa! J'espère que ça se passera bien. Donc tu pourras... tu auras des bons résultats et que tu iras pour le mieux. Examiner. Aller au campement. J'en ai vu une tout à l'heure dans les bois, j'ai pas interagi avec. Oh, merci Fieu. Caverne insondable. Oh cool. J'aime trop les cavernes insondables. Les autres, elles sont trop... Elles ont trop été sondées, quoi. Cool. Est-ce que je peux level up en vrai? Je vais regarder. J'ai 300... 3500. Je crois que je peux pas. Je vais essayer mais je crois que je peux pas. Et je suis très pas loin. J'irai dodo car après je peux plus en avaler. Ah mais oui c'est vrai, je dois être à jeun. Écoutez, je vais prendre ça déjà, hein. Quoi, plein de tortues en saumure, hein. On va récupérer le reste, hein. Non mais putain, c'est horrible! Je vois rien en fait! Beaucoup de lag sur PC, bah ouais, enfin des freezes quoi. Ouais ouais. Et pourtant, comme je dis, j'ai... largement la config qu'il faut, hein. Je quitte pas. Ah, j'ai tombé... Ah. Mais... Non mais, lisse-toi. Je
un trou. Avant, je vais explorer la toute première salle où il y avait des rats. Parce que je crois qu'il y avait des trucs à looter, mais que bah, je peux looter. D'autres encore ? Il y a des trucs. C'est bien. Et du coup, par là, il y a un passage. Une dorée. Je vais continuer d'explorer moi. Par là, je pouvais. Bon, je vois pas plus que vous, hein, je vous rassure. Lucien l'archanté. Oh, le loup, il est là. Bon. Trop stylé. Faire... Ou alors c'est un ours. Ours runique. Je suis pas prête. Non mais ça va être chiant à équiper encore, non ? Ça me saoule ces trucs là. Oh, faut que je me refasse les rats. Non, je vais juste courir. J'avais pas de brouillard tout à l'heure. Non mais please quoi, j'avais pas de brouillard, ça me nique tout du coup. Oh non, mais j'en avais 3000 des trucs. Bon, bah voilà. Tout ça pour ça. Bon, un petit peu d'aigle là. Un petit peu. Tiens, voilà tes trucs. On en a plus en fait. Pour savoir, je suis pas sûre que ça m'aide. Mais pourquoi je peux pas faire d'invocation ? Règne-toi. Quelque chose juste pour essayer de m'aider au pif hein. Ça a pas marché, ils sont pas là. Et le freeze. Sympa. J'ai passé un bon moment là je crois. Mais loup, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, juste pour savoir. Bon, je perds 32 minutes à le faire du l'invocation du coup. Ils ont pris le temps de juste accéder, étudier ma requête quoi. Pourquoi
les invoque, ça va plus me foutre dans la merde qu'autre chose. Il bouge pas ? Si. Merci, merci, c'est sympa. Voilà, maintenant c'est bon. Oh non, mais les frises là, c'est bon. Attends de faire la deuxième esquive. Ça va être tu peux pas avant d'entrer. Bah j'essaye, il veut pas. Je pensais aussi parce que vous vous souvenez de l'invoque qu'on faisait avant le mob là, avant le gros boss dans le château. Bah, je la faisais, voilà, je la faisais avant quoi. Mais là il veut pas, c'est grisé. Je vais vous montrer. Je me mets là du coup. C'est ça et voilà, c'est grisé. Il veut pas. Mais une fois dedans, je peux. Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Ah, merci. J'ai mal à la nuque. Oui, les rats, ils ont l'air étrangement immobiles, oui. Mais en fait, ils sont comme ça souvent. Les premières fois que j'en ai vu aussi, ils bougeaient pas. En fait, ils font genre, c'est des rats morts. Et ils bougent quand tu passes. C'est fait exprès, hein. C'est pas le comportement des mobs qui est bugué, c'est... Ouais, ils font les morts un peu, je pense. Bon, en tout cas, ils se fondent dans le décor. Un petit peu comme les gargouilles. Ah, récupérer, ouais. D'ailleurs. Je perds de la vie quand j'avance, c'est ça? Je savais pas ça. Photo. Ah merde. En vrai non, je pense que je peux le faire sans investir dans de la vie, mais il faut que je fasse des bonnes esquives. J'esquive, j'ai tendance à esquiver trop tôt. Et du coup je me prends la fin du coup en fait. J'ai vraiment surpris de voir un pèlerin sortir de nulle part derrière juste devant eux. Ouais c'est ça, ils sont un peu choqués. Ils étaient en mode dodo. Les invoques me coûtent de la vie et de la mana, je savais pas.
Il va falloir que j'utilise ma malédiction, enfin ma bénédiction de machin pour avoir des runes là je crois. Ou je ne sais plus quoi. Parce que bah en fait ça me fait un malus et faut que j'utilise. Non. Là j'ai fait trop tôt. La fête trop tôt. La fête trop tôt. Hello Zouave, 9, c'est mignon Zouave. Bienvenue à toi, merci pour le gentil follow. J'ai obligé d'avoir une position des mains très chelou pour bouger la cam et courir et avancer en même temps. L'invocation qui te coûte de la vie, c'est le saut que tu fais avant. C'est vrai ? Ça me coûte de la vie le saut ? J'ai pas le choix de le faire ? Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. J'allais le dire avant alors. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Voilà ! Et hop ! J'en ai marre qu'ils me coincent ces petits cons. Non, non, mauvaise arme. Que peu deck. Ça peut le faire. Everything's okay. J'ai vu que la première chute me coûte rien, c'est vrai que j'avais pas du tout remarqué que la deuxième chute me coûtait quelque chose. C'est quelque chose que j'aurais pu remarquer par moi-même, je l'avoue. Mais ce ne fut point le cas. C'est fou ça. Beaucoup de lucioles argentées si elles s'accumulent à chaque fois. Oh, j'ai giga bien esquivé, m'emmerde pas. Je vais faire ça du coup. Voilà. Voilà, maintenant on fait ça. On fait ça. Ah, voilà. Là, je perds pas trop de temps. Caméra bloquée contre le mur, là, ça devient chaud. Ça peut le faire. Le problème, c'est que je lui fais tellement de dommages que par rapport aux bestiaux, que du coup, ils perdent vite l'aggro. Et je le target sans le vouloir. Et du coup, il va falloir un petit peu que j'apprenne à anticiper les coups un petit peu mieux.
Mais c'est pas facile parce que j'ai du mal à comprendre quel type de coup il va faire en fonction de son comportement. Oh non, ça a pas marché là, j'ai fait à l'arrache. Obligé de faire ça parce que sinon il me one shot. Ils prennent super cher et puis les freeze quoi, c'est bon. Oh la vache. Mais ouais, là j'ai déjà un loup mid-life et un qui est mort. Tu relèves pas, t'as raison. Tellement cher mes loups. Ah, parfois moins de deux, voir mon popo. Non, trop tard. Encore plus cher, mais oui, c'est affreux. Ils prennent en même temps que toi, tout à fait. Je sais pas trop comment. En fait, le problème, c'est que si je les invoque un tout petit peu plus proche dans le renfoncement, ils me bloquent et j'arrive pas à partir. Puis ouais, en plus, tous les frises que je me tape, là, ça commence à devenir chaud. Je me suis rarement autant tapé de frises pendant un boss que là, lors de cette... Ah putain, je le fais mal. Hein. Aussi, faudrait que je régule un petit peu mieux. Je vais tenter d'attendre un petit peu. Je le vise pas, alors j'ai aucune idée de ce qui se passe. Non, vise-le, je t'en prie. Je t'en prie. Vise-le, je t'en prie. Ça va prendre tellement 28 ans là d'invoquer. Aucune chance de le faire sans mourir. Je prends de ma popo. J'ai pas su lire. Non, j'ai esquivé là. Oh d'accord, ils sont morts. Non, trop tôt. J'avais encore une popo! Ah non, juste une popo de mana. Je vais essayer de réinvoquer les loups au tout début et essayer de pas mourir aussi, enfin de pas perdre de la vie parce que bah.
Le fait de devoir tout de suite utiliser une popo, ça craint. Voilà. Ouais, c'est parce que je saute en fait et du coup j'ai atterri au mauvais endroit. Beaucoup trop tôt. Sure. Non, c'est pas le moment du tout dans ma popo. Là, j'ai pas le temps de me relever. C'est un petit peu compliqué, mais je vais peut-être faire ça et essayer de pas me faire toucher lors de son premier élan. Ce serait bien. Ça va être compliqué. Seulement le spawn était juste devant. Enfin, le spawn, qu'est-ce que je dis, le rip-hop. Oh, j'ai quand même perdu de la vie quoi. Oh sérieux, j'ai perdu de la vie. Bon, j'ai essayé sans mais... dans mon coin, j'avais l'impression qu'il galérait à m'attendre. C'était une strat, c'était une tentative bizarre. Mmh. Oh. Non, pas faire de saut avant, sinon je risque de perdre de la vie. Allez, allez, je peux le faire celui-là. Non, 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 je me suis trompée. Oh, mais il y a des marches et ce connard de... tout là. Il m'a suivi. Please. Improbable. Bon, j'ai perdu beaucoup moins de vie. On va dire que c'est ok. Voilà. Ça fait trop tôt cette putain d'esquive. Ah mais c'est lourd, j'en peux plus quoi, ils mettent trop de temps à pop et ils me bloquent. Mais sans eux, j'ai aucun moyen de... Enfin si, tu peux, mais il faudrait que... Faut quand même beaucoup, beaucoup plus mieux en esquive. Il y avait une marche en dessous. Il n'y en a plus. Super, il a pas voulu viser. Ça m'énerve là. Je le regarde, je fais le truc pour viser, ça le vise pas. Non, ça me remet ma vue totalement à l'opposé. Trois jours pour parcourir cette grotte à chaque fois. Oh, des petits lacs, ça faisait longtemps. Pourquoi là je perds de la vie alors que juste avant je m'arrêtais au même endroit et je perdais pas de vie, putain. Désolé. Et c'est insupportable. Je vais faire ça, du coup c'est passionnant. Du coup bah c'est dead parce que j'aurais pas du tout assez de vie. Voilà, vise.
Retour. Non mais stop les frises là, c'est vraiment pas facile. Pourquoi le jeu me fait ça? Je peux plus. Coucou Marc Blackjack. Coucou. Allez, bon, j'aimerais bien ne pas prendre de damage à cause de cette seconde chute. Je sais pas pourquoi là, quand j'atterris sur le petit truc, ça me fait quand même mal. Donc je vais essayer d'y aller en marchant et pas en courant. Ça marche pas, c'était pas ce petit truc, c'était pas ce petit rebord. C'est un autre rebord. Bon bah j'ai rien dit. Il est sorti par la bite celui-là. Bonsoir Firas Mogu. Bienvenue à toi, merci pour le gentil polo. Let's go. Serre les fesses. Ah ouais ouais complètement. Ah j'ai les fesses qui font bravo pendant tout le combat. Hein. Allez les loups, faites des trucs. Je suis coincé. Merde, beaucoup trop tôt. En fait, sinon s'ils cherchent les loups, ils me cherchent aussi, c'est chiant. Et j'ai encore pris des dommages au deuxième saut. Alors je me suis arrêté au milieu. Ah, merde, je vais bouffer son micro. Non, je vais pas le manger. Parce qu'il est trop beau. Il va falloir que je tape dans un truc. Ah Bouddha, 1781. Merci pour ton follow. Ok, on a enfin un bon atterrissage. Hein. Monte un peu ta vie avant. Non, de toute façon, je peux pas. Non mince, je vais faire ça. Non, non! Il détiote. Je vais laisser me tuer. Non, mais désolé, je recommence, j'efface. Le micro est sauvé. Non, mais je suis sûre que je peux y arriver comme ça! Je suis trop sûre. Bon, j'avoue, niveau vie, c'est la dèche. J'avoue, vous avez peut-être raison. Vous avez sûrement raison. J'ai toujours raison. Mais.
Mais j'ai vraiment réussi à l'emmener très 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 loin, très très loin dans la barre de vie. Et finalement... Père, c'est exactement ça que je voulais faire. Je suis trop contente. Tiens, allez, mon bras. Et pourquoi je peux pas invoquer avant? Avant, je pouvais invoquer avant. Maintenant, je peux plus invoquer avant. Allez vite, allez vite, allez vite. Hop, allez, laissez-vous. Non. Allez, je veux le voir en fait. De m'aider hein, c'est sympa, je suis trop contente de vous avoir invoqué, ça c'est vraiment trop bien. Non, photo. Non, trop tôt, j'ai sorti. Non, mais là c'était presque bien. Je vais boire de l'eau. Bon. Peut-être augmenter un peu ma vie. J'avoue. Ou aussi j'utilise mon shield mais j'ai pas le réflexe. Pourquoi tu joues pas avec une lame? Parce que j'aime pas. Voilà. Que j'ai fait un mage et que du coup mon but c'est de jouer mage quoi. Allez, j'augmente un petit peu ma vie. Mais bon. Là, ça va changer grand chose en vrai. En frais. Ça me fait combien? C'est 100 à chaque fois? 1400. Ça va pas suffire, je crois. Bonne hémoglobine dark! Il va falloir que j'y aille aussi. Il manque un tout petit pouillem, je suis deg. Hop! Ok, là, is ok. Voilà, genre un petit peu de vie. Je vais devoir mourir à vous, je voudrais bien aller sur ma cave et mourir moi-même. Mon chat, j'ai mon chat sur le ventre et c'est trop choupi. Comme quand il... à chaque fois, hein. Je pensais à quand tu pouvais pas retourner sur dans ton lit. Parce que t'avais ton chat sur ton ventre et que c'était trop t'as fait ton chat sur ton lit, c'était trop choupi. Super les lags, ouais, c'est trop bien. J'adore, enfin les freeze, super, j'adore. Ils ont pris trop cher. Mais moi, pourquoi j'essaie de ramasser un truc que j'ai pas... Ah la meuf, quoi. Hippie. Allez, c'est parti. Oh, ils ont déjà saucé mes loups. Le coup de trop, le coup de trop, le coup de trop.
Les fruits, c'est du contenu exclusif sur PC. Quelle chance. Ouais, non, là, j'avoue que ça commence vraiment à me foutre en galère, tous ces frises. Regarde, regarde, j'en ai tout le temps. J'en ai plus. Stop, stop, arrête de friser le jeu. Genre, il a jamais autant frisé que dans cette putain de grotte. Bon, je te rends un petit frise par-ci, par-là. Des fois, souvent, ça s'enchaîne. Mais c'est tout. Non mais j'en ai marre, je n'arrive même plus à descendre comme il faut. Moi j'ai quasi rien, oui, bon bah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse hein. T'as une meilleure config que moi, j'en sais rien. C'est du tout ça que je veux. Mais carrément quoi, il m'a fait un finish him. Putain, il m'a fait un finish là, en fatality, je suis dégoûtée. Il m'a fait un fatality. Non mais je sais pas si je vais le faire ce soir du coup celui-là. Parce que bah il est déjà minuit. Ça me saoule. Le relancer. Non parce que bon. Voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. Je vais utiliser celle-là plutôt que d'utiliser une vraie popo. Oh, il les a éclatés. Non, trop tôt. Oh mais là j'ai pas le temps. On peut plus là. Prends une popo bientôt. Voilà, pour éviter ça. Kuma c'est l'ours dans Tekken. Ah Kuma wins, c'est pour ceux qui peuvent pas la rêver, Kuma c'est l'ours dans Tekken. Effectivement. Il a la même prise, il vous prend dans les bras et vous dévore. Nice. Et ben j'en apprends des choses. Effectivement Kuma wins a lot hein. J'arrive pas à descendre comme il faut, ça m'en dingue. Et même pas, j'ai plus. Il me bloque contre le mur mais je vois rien, hein, je peux rien faire, hein, c'est affreux. C'est vrai que les combats dans les petits, dans les endroits très fermés, c'est affreux pour moi. Je vais y arriver. Faut juste que j'arrive à tomber comme il faut de la grotte. Très bien. On avait investi dans une torche pour avoir plus qu'à assurer son atterrissage. Bon, mais en vrai, vu que je suis obligée de me dépêcher... Première fois que j'essaie, j'y arrivais très tranquille, les fois d'après aussi, puis là maintenant j'y arrive plus jamais. Ne pas perdre de vie à cet endroit là, c'est la partie la plus difficile de mon job. Ok.
comment allez-vous? Bah, bien, mais ça se passe très mal. Oh là là, allez, allez, allez. Ça me rend dingue, là, de rester là-dessus, franchement. J'ai envie de pleurer. Un peu. Il voit plus mal, mais complètement. Ok, un atterrissage. Un. J'ai plus de magie. Mince, j'ai pris la magie que j'avais besoin. Bah tellement. Pour ceux que ça intéresse, sur PS4, par contre, c'est gratuit. Oh nice, ça c'est cool. Allez, courage, merci. Oh, allez, je tente encore une ou deux fois, il faut que j'arrête. Hein. Faut vraiment que j'aille me coucher, moi. Presque, ouais, je sais pas. Il reste encore un. Il reste encore beaucoup. Galère mage. Bon, en fait c'est galère dans les endroits clos comme ça où je peux pas avoir de portée. Il m'a one shot, mais je... Oh, j'en ai trop marre. Les dernières tentatives en espérant ne pas perdre de vie au moment où je vais sauter.
mon plus gros enjeu, ça, au début. J'ai des lags, putain. Des frisbees au moment où je vais invoquer, quoi. Mais ils prennent pas la peau. Je vois rien. Je pensais dans lui. J'ose pas pondérer. Non, j'ai esquivé là. Non mais le loup, viens pas près de moi s'il te plaît. Le loup qui vient près de moi qui me bute. Le loup qui vient près de moi et qui me bute quoi. Qui se colle à moi. Vrai dernier. Parce que là j'ai plus. Ouais, j'ai perdu de la vie, c'est trop bien. Envie de pleurer ma race. Personne n'a pas voulu viser l'eau, c'est trop bien. Bon, tomber sur un ours. Un peu comme tomber sur un os, mais en vachement plus pire. Il te casse la gueule. Vrai d'air. Là c'était un essai affreux. Ça a pas marché. Quitter, hein. Laisse-moi quitter. Faut vraiment que je vois tout ça là. Laisse-moi partir. Allez. Au revoir VOD.